Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver. Donc après ces quelques semaines de vacances, au potager qui dit non, potager qui a pas mal évolué sur cette période, en particulier dans la serre tomate. Alors on me posait la question à deux reprises là par rapport aux zoya, qui me permettent de, disons, d'irriguer. Je vais pas parler d'arrosage, mais d'irrigation plutôt de la serre. Et que j'ai donc installé il y a maintenant 4 mois. Je vais pouvoir vous montrer ça. On est le 14 septembre et je n'ai jamais arrosé la serre, disons directement, par le sol, quoi, en arrosage aérien. Vous allez voir, ça s'est plutôt pas mal développé. Un petit mot sur ces tomates. Donc, il y a des choses qui vont changer quand même ici. Donc c'est notre deuxième année, je le rappelle, de potager. On n'avait pas d'expérience avant ça. L'année dernière, on a récupéré quelques graines, puis acheté quelques graines qu'on a semées. On a sélectionné des plants qui nous intéressaient plus que d'autres. On en a prélevé les graines et on a ressemé ces graines cette année. Le souci qu'on a rencontré, c'est qu'il y a eu de l'hybridation, très clairement. Et donc, j'ai quand même eu, je vais dire, 4 ou 5 pieds, peut-être, disons 15 à 20% de mes pieds qui étaient, si ce n'est improductifs, en tout cas pas très productifs, avec des tomates pas très grosses, un peu voilà de ce gabarit-là, des petites tomates, plus grosses qu'une tomate cerise, mais beaucoup moins grosses qu'une tomate telle qu'on peut raisonnablement l'espérer. Bon, la solution, ça serait simplement peut-être de poser ces fameux sachets d'organza autour. Mais je vous rappelle que la serre fait 9 mètres carrés. Et à notre niveau, c'est peut-être pas quand même sérieusement envisageable. En tout cas, je pense que la dépense d'énergie en particulier n'est peut-être pas justifiée. Donc, on va partir à compter de l'année prochaine sur des graines neuves, sélectionnées par d'autres personnes. Donc là, on s'est rendu sur la fête de la tomate à Averskerk, dont Jaco et Lily ont parlé dans une vidéo récemment. Et puis, on est revenu avec un certain nombre de graines. Sauf pour la cœur d'Albenga, dont les graines étaient tout à fait introuvables. On n'en a trouvé sur aucun stand. Donc celle-là, on va retenter quand même, puisque finalement, celle-ci s'est bien comportée. On n'a pas eu d'hybridation chez cette espèce-là. C'est plutôt les Centium qui se sont pas mal hybridés. Donc la cœur d'Albenga, on va récupérer les graines. Et puis, on va retenter 2-3 autres variétés, une beaucoup plus précoce. Et puis, on va également remettre de la noire de Crimée qu'on a trouvée tout à fait excellente. À mon grand regret, on va renoncer à la Kuban Black, qui est une tomate vraiment exquise. C'est sûrement la meilleure qu'on ait mangée ici, mais qui produit très très peu. On réussit pas bien, manifestement. Ça fait 2 ans qu'on essaie. Cette année, c'était un peu mieux que l'année dernière. Assez pour se rendre compte que ce sont vraiment des tomates excellentes, mais auxquelles on va devoir renoncer, puisque c'est vraiment très très peu productif. Donc voilà, graines neuves à l'avenir. On a compris, vous vous en doutez, tout l'intérêt de produire soi-même ses semences, etc. Mais encore une fois, à l'échelle de notre potager, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est tout pour les tomates. C'est tout pour les tomates. Donc je vais vous montrer ce qu'il en est des zoya, et puis on passera un petit peu à un bilan du reste du potager derrière ça. Je vous parlerai également un peu agronomie très rapidement, et puis je vous parlerai aussi un peu permaculture, avec aussi une petite astuce peut-être au sujet de la protection contre les champignons et en particulier le mildiou. Voilà. Allez, je vous montre d'abord les zoya, le résultat que ça a donné. Donc voilà, on peut se rendre compte que la serre est assez fournie, n'est-ce pas? Je vous rappelle que de ce côté-ci, c'était les pieds Centium qui étaient déterminés et qui se sont donc très logiquement beaucoup moins développés que les cœurs d'Albenga ici. Ça, c'est tout à fait normal, hein. Donc voilà, on a un Oya qui est là. Regarde, c'est luxuriant autour, hein. Ça a vraiment très très bien poussé. Hop. Ah, les araignées se sont fait leur place entre deux, voilà. On a un Oya qui est là en dessous. Alors la précaution à prendre, c'est peut-être de bien écarter le feuillage au moment de les remplir. Et voilà, les tomates sont là. Il n'y a pas, regardez, voilà, ça,
aucun arrosage. Voilà, ça fonctionne très très bien, hein, il n'y a pas de problème. On a un Oya ici. Voilà, et c'est logiquement un peu moins fourni ce coin de la serre, puisque c'était justement les Cuban Black qui étaient là. Hein, voilà, Cuban Black, alors ça c'était pas terrible. Et puis on avait une noire de Crimée qui a fini de donner depuis un moment. Donc voilà, le coin peut paraître un peu plus dégarni. Et dans ce coin-là, c'est le coin où on n'avait pas mis d'Oya, et vous pouvez constater que ça n'a pas poussé terrible. Et puis en plus, il y avait des poivrons et des aubergines là qu'on ne réussit pas sous la serre non plus, quoi. Voilà. Mais on va donc remettre un quatrième Oya, hein. J'en avais cassé un, vous vous souvenez, ici j'en avais un de moins. On va en remettre un ici en début de saison prochaine, hein. On va en racheter un cet hiver. Voilà. Encore des belles tomates ici aussi. Voilà, regardez. Ça c'est vraiment très beau, hein, des très beaux fruits. Sans arrosage aérien. Absolument aucun arrosage aérien. Hein. Voilà. Alors les tomates sur ces 9 mètres carrés, là aujourd'hui on en est à un peu plus de 40 kilos. En comptant les quelques pieds qui n'ont malheureusement pas donné ou presque pas, en comptant le fond arrière gauche de la serre qui contenait les poivrons et les aubergines qui n'ont pas fonctionné, je pense que l'année prochaine on peut espérer en réglant un peu ces problèmes là on peut espérer retirer, je dirais, au moins 70 kilos au bas mot, hein, de tomates sur ces 9 mètres carrés. Je pense vraiment que c'est un espoir raisonnable, dans la mesure où on a passé les 40 kilos aujourd'hui, et vous l'avez vu tout à l'heure, je vais encore cueillir là quelques kilos aujourd'hui, c'est pas fini, quoi. Donc en faisant mieux l'année prochaine sur les erreurs qu'on a pu faire cette année, je crois vraiment que ça ira mieux. A priori, sur le Nord Pas-de-Calais, il semblerait que l'aubergine fonctionne assez bien dehors. Ça fait 2 ans que sur une croyance, hein, selon laquelle c'est plutôt de la chaleur qu'il lui faut, etc. Cette plante, je m'acharne à la mettre sous serre, ça n'a pas fonctionné du tout. Bon, donc on essaiera l'année prochaine, bon gré mal gré, d'installer un pied d'aubergine ou deux à l'extérieur. Voilà, donc au niveau des autres légumes sur le potager, on a plutôt bien fonctionné sur ce qui a été finalement installé après le printemps. On a beaucoup souffert de limaces, hein, je vous en avais parlé, et ça avait fait l'objet d'un traitement au phosphate ferrique, un traitement unique, hein, qui a suffi, mais voilà, les dégâts étaient faits, et c'est vrai qu'on a payé un lourd tribut aux limaces, ce qui fait qu'on a des betteraves qui arrivent seulement maintenant, voilà, qui sont pas terribles. On a eu très peu de choux, et alors nos choux en plus se font dévaster, complètement dévaster par des chenilles, j'imagine que c'est de la pyride en ce moment, et c'est bon. Si l'année prochaine on devait se faire attaquer de la même manière par la pyride, je pense qu'on envisagera une lutte biologique à base de Bacillus thuringiensis, par exemple, qui fonctionne très bien, qui est complètement inoffensif. Hein, là, il n'y a pas de problème. On est vraiment dans la lutte bio. On utilise un bacille, une bactérie. Ça me pose pas de problème. Hein. Le moins de traitement possible, c'est mieux. Mais voilà, il y a un moment où il faut vraiment envisager quelque chose ou passer à une autre culture, je pense. Alors un petit mot d'agronomie quand même au sujet de cette période particulière dans laquelle on va rentrer, cette période de l'année qui est l'automne, une période chaude, les sols sont encore chauds et beaucoup d'humidité. Donc vous l'avez compris, gros pic d'activité sur la vie bactérienne du sol. Et c'est un pic dans le calendrier vraiment au niveau de la minéralisation de la matière organique, de l'humus, hein, qui a été produit par notre compostage de surface le reste de l'année. Donc il y a une grosse production en ce moment de nitrates, et ces nitrates sont lessivables et peuvent être irrémédiablement perdus, hein, à travers les précipitations, etc. Si je souhaite que ces nitrates soient plutôt exploités plutôt que d'être perdus, eh bien c'est le moment de reprendre un peu les apports de matière organique plutôt carboné. En ce qui me concerne, ça sera le crottin de cheval. Hein. Je ne déroge pas à ma règle, ça fonctionne très bien depuis le début. Et c'est le moment vraiment où je vais reprendre mes apports de crottin
puisque la dégradation de cette matière organique va consommer un peu d'azote, donc sous forme de nitrates, et ces nitrates sont justement précisément produits, j'allais dire, pas en excès, mais en tout cas en abondance sur cette période de l'année. Donc c'est vraiment le moment de le faire. Avec les nombreuses exportations de légumes aussi depuis ces deux dernières années, donc puisqu'on a commencé il y a 2 ans, j'avais fait un premier apport de calcium tout à fait au début du avant les premières cultures. Eh bien, en fin d'hiver ici prochainement, je réaliserai également un apport de calcium, un carbonate de calcium exactement, dans des proportions bien plus faibles, mais de manière à entretenir un petit peu le taux de calcium de notre sol, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées dans l'épisode consacré. Je ne le fais pas en même temps que le crottin. Il ne faut pas apporter de la matière organique, je le rappelle, en même temps que ce carbonate de calcium. Voilà, je referme la parenthèse agronomique. Alors toujours dans cette idée de démarrer le jardin sans trop y connaître grand chose, hein, sur cette deuxième année, on est bien d'accord. Première année, graines neuves, jardin neuf, on commence, on ne voit lever que ce qu'on sème. Année N plus 1, donc cette année ici, on commence à voir des choses arriver un peu spontanément. Qu'est-ce qu'on décide? Eh ben, on décide de laisser tout se développer, on veut rien arracher, c'est nourricier, on laisse. Et le résultat, c'est que je me suis retrouvé ici avec une forêt de tomates. Voilà, toute cette parcelle ici, une forêt de tomates. Alors, plutôt des tomates cerises, et puis parfois des tomates un peu entre les deux, quoi. Bon, c'est quand même pas souhaitable. C'est bien, bon, c'est une demi-planche, là, c'est pas très grave, on en a fait l'expérience, mais quand même, l'année prochaine, on essaiera de contrôler un petit peu mieux tout ça, et puis d'occuper la place un petit peu plus intelligemment quand même. C'est bien d'en avoir fait l'expérience, bon, mais là, je crois qu'on a compris quelque chose. Alors, c'était donc la rentrée des classes, et on avait dans mon établissement une idée sympa, une activité sympa qui s'est passée la semaine dernière. Les BTS deuxième année sont chargés de l'intégration de leurs collègues de première année. Ils ont organisé un certain nombre de visites, pépinières, voilà, des choses un peu autour de la thématique aménagement paysager, et on était amené à visiter avec ces groupes un producteur de plantes annuelles, quelques plants légumiers également, mais beaucoup de plantes annuelles qui sont destinées à la grande distribution, les jardineries ici aux alentours, voilà, en proximité, mais donc du circuit plutôt court, mais quand même de la grande distribution, un petit peu de particulier également, une très belle exploitation de, je ne sais plus combien il y avait d'hectares, c'était vraiment très important. Beaucoup de chrysanthèmes, enfin tout un tas d'autres choses, et les bisannuelles également en ce moment, hein, qui étaient en cours de production. Et alors ce monsieur qui nous a accueillis m'a vraiment fait part d'une information assez étonnante, quelque chose que je ne connaissais pas. Alors je l'ai retrouvé après sur la toile, effectivement ça semble avéré. En tout cas là c'est pas quelque chose que j'ai lu, mais c'est bien une expérience qu'un professionnel a partagé avec nous. Quelque chose qui est clairement vérifié sur le terrain. Ce monsieur fait ça depuis 20 ans, et depuis 20 ans, il ne fait que ça, il n'a pas recours à autre chose, c'est que ça fonctionne. Le truc, donc, c'est d'arroser ses cultures avec l'eau qui est récupérée de ses serres, et cette eau, potentiellement, se charge en spores de champignons, etc. Et il a besoin de lutter de manière efficace donc contre les champignons qui pourraient s'attaquer à ses cultures, surtout dans l'ambiance particulière que sont les serres. Et pour ça, il utilise un produit auquel je n'avais vraiment pas pensé jusque-là, de l'eau oxygénée, tout simplement. Donc de l'eau oxygénée, donc 10 volumes, hein, et il dilue cette eau oxygénée à raison d'un litre, écoutez-moi bien, un litre pour 17 000 litres d'eau. Donc c'est au niveau de ses cuves, hein, un litre pour 17 000 litres d'eau. C'est vraiment très dilué. Et grâce à cette solution, eh bien, en préventif, hein, eh bien, les spores de champignons ne parviennent pas à se développer sur le feuillage, et ça permettrait, selon lui également, d'éviter, voilà, les problèmes qu'on peut rencontrer d'oïdium, hein, sur les cucurbitacées, par exemple.
de mildiou. Alors le mildiou n'est pas strictement un champignon, néanmoins l'effet semble avéré, hein, ça semble tout à fait efficace également. J'ai pas eu de mildiou dans la serre, hein, je viens de vous montrer. On n'a pas eu de mildiou du tout de cette année. J'espère que c'est parce que c'est effectivement couvert et que donc on peut espérer que les autres années ça sera la même chose. Je vous rappelle que j'avais complètement couché sur le sol mes pieds de tomates de l'année dernière qui avaient effectivement attrapé le mildiou puisque j'avais commis une petite erreur, j'avais enfermé de l'humidité dans la serre, enfin voilà. Donc le mildiou était bien présent, je l'avais laissé dans la serre, quoi, ce mildiou. Et pourtant, les conditions n'étant pas réunies cette année, eh bien ce mildiou ne s'est jamais développé, quoi. Il faut pas en avoir peur non plus de manière fantasque et déraisonnée, quoi. Voilà, donc il semblerait qu'on puisse espérer vraiment trouver une solution avec cette eau oxygénée diluée. Je partage ça avec vous. Si vous êtes concerné par le mildiou ou par d'autres champignons comme cet oïdium, bon moi là on est en fin de culture, hein. Je vais pas commencer à traiter ça pour essayer de gagner 3 courgettes, quoi. Ça vaudra vraiment pas la peine de fournir l'effort. Mais ça pourrait, dans d'autres circonstances, se révéler intéressant. Je pense peut-être plutôt à la rouille sur les poireaux. Pour le moment, j'ai rien constaté sur les miens, mais on ne sait jamais ce que ça pourrait donner à l'avenir. Donc, je vous disais qu'on trouvait tout un tas de choses sur la toile au sujet de l'eau oxygénée. C'est vrai, des propriétés toujours lié à l'agronomie, bon, qui reste selon moi à vérifier. Je dis pas que c'est pas vrai, hein, bien sûr, mais ça fait un peu beaucoup, hein, 4 ou 5 ou 6 vertus selon les sites qu'on consulte. Voilà. Ce que je viens de partager avec vous, c'est quelque chose qui est clairement vérifié, quoi. Voilà, ça c'est sûr. J'ai suffisamment confiance dans ce que Stom m'a dit pour que si jamais j'y étais confronté moi-même, eh bien, je passe à l'action et je retienne cette solution-là. Alors cet été, on est parti en Roumanie une semaine. C'était vraiment super bien. Alors pourquoi je vous parle de la Roumanie? Eh bien parce que si la permaculture ici en France fait l'objet d'une préoccupation, disons, matérialisée par des formations, par des livres, etc. Il y a tout un tas de choses qui gravitent autour de la perma. Eh bien là-bas, c'est... J'allais dire un art de vivre, c'est même pas ça, c'est une évidence en quelque sorte. Hein. On a vraiment pu observer, on était chez l'habitant pendant un certain temps, on a pu observer vraiment que ces gens vivent naturellement sur des principes permacoles, j'ai pas peur de le dire, hein, c'est vraiment ça quoi. C'est beaucoup moins évident pour nous, et du coup, il y a des gens qui font ça très très bien, qui sont là pour essayer d'aider ceux qui le souhaitent à organiser un petit peu leur espace ou leur vie, puisqu'on sort du jardin, d'ailleurs, quand on parle de permaculture, très clairement, sur des principes, disons, réfléchis et puis respectueux de la nature, de leur environnement, respectueux d'eux-mêmes, respectueux des autres, etc. Il se trouve que j'ai travaillé pas mal de temps avec un copain que j'aurais envie de vous présenter puisque c'est quelqu'un qui intervient beaucoup sur ces questions de la permaculture. Alors, pour de la formation, bien entendu, mais également pour de l'accompagnement, coaching, enfin, bon, des études. Bon, voilà. Il vous expliquera ça mieux que moi. Je suis en train de réfléchir avec lui à la manière dont on va organiser les choses. Ça sera probablement pas ici. Peut-être qu'il aura besoin que j'intervienne sur d'autres endroits qu'il souhaiterait me montrer. Enfin bon, on va réfléchir un peu à tout ça. Et je pense que ça fera l'objet d'un prochain épisode parce que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup à apporter. Ça, j'en suis intimement convaincu. C'est quelqu'un qui est extrêmement compétent et qui continue d'actualiser sa compétence en permanence. Et avec qui j'espère encore d'ailleurs retravailler prochainement. Et voilà, je crois vraiment que ça vaut la peine de lui consacrer un épisode. Donc le potager qui dit non sera heureux d'accueillir mon copain Stéphane d'ici quelques temps. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi sur cette petite vidéo assez brève. Voilà, petit bilan là, disons de rentrée, hein, après cet été qui a quand même été très très sec. Là encore, le paillage de foin nous a bien aidé.
et je vous dis donc à très bientôt. Je suis content de retrouver aussi certains d'entre vous sur vos vidéos respectives. J'essaye de suivre, hein, c'est un peu compliqué, vous êtes nombreux, mais j'y arrive. Et je vous dis donc à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao.